Voilà, on est maintenant sur le final. On attend les cartes. On nous signale que Van Dijk est en train de réaliser une fin de course absolument superbe et commence son avance par rapport au poursuivant. On va savoir si le corps de l'équipe Jumbo-Visma Development, on rappelle, il a été l'un des meilleurs à la course de la paix. Il a pris également Tour de Pologne dans la catégorie espoir et il a creusé l'écart. On attend évidemment la confirmation de l'écart entre notre tête et ses poursuivants. Le voilà, Van Dijk en action également, le corps de la formation. Donc Jumbo-Visma Development à la détermination de la tête qui aurait, et donc pas le conditionnel car Saint-Pierre Pachuré aurait une vingtaine de secondes d'avance sur ses poursuivants. Tu verras quand tu seras jeune. On regarde là-bas. Ah oui, non, voilà, ça revient vite derrière avec les portes de l'équipe. Il y a une galère de la tête qui a perdu la tête. Nous sommes avec le peloton. Le peloton qui en termine, on attend les étoiles entre Van Dijk et le vainqueur à la deuxième place. Attention, c'est le reste de l'Est. Le champion de France termine à la troisième place et l'écart est de 4 secondes. 4 secondes d'écart et Van Dijk termine à 4 secondes. Aussi suffisant pour gagner le 13 Brésilite. Voici l'arrivée, premier vainqueur. Le grand de l'équipe Jumbo-Visma, deuxième le Rolls Royce de l'équipe Team Gold, Wallonie Bruxelles, troisième Axel Marion Dupuis.